Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Outlast 2. Souvenez-vous, on avait couru, on s'était raccroché à la vie, on se saoulait avec le bruit pour échapper bien évidemment à nos ennemis. Et on avait enfin trouvé cette chapelle, on était même rentré dans cette chapelle et on avait filmé quelque chose et il s'était aussi passé quelque chose que j'ai pas trop eu le temps de voir parce que j'avais hâte de terminer cette vidéo. Encore une fois, ce jeu, hein, c'est un véritable délice de record dessus, mais pas trop. Allez, on est parti, hop, je remets ma caméra en mode vision nocturne. Je crois qu'il n'y avait rien par ici, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Alors, je sais que je loue pas mal de bandages et de piles, mais comment être honnête avec vous sans vexer personne? Moi, j'en ai rien à foutre, hein. De toute façon, c'est un jeu où tu dois courir pour ta putain de vie. Et comme je vous ai dit, on cherche pas le 100% parce que ça ne m'intéresse pas trop. Ok, donc c'était par ici, hein, le haut de la chapelle. Encore une fois, on va prendre nos vies, hein, vous le savez. On va se faire courser comme jamais. Hein? Faut ouvrir, monsieur. Ok. On avait déjà enregistré ça. Il s'était passé quelque chose par là. Il s'était passé quelque chose. Quel est ce bruit? Est-ce qu'on peut regarder devant? Il n'y a personne. Il n'y a putain de personne. Donc normalement on devrait être large. Quelle est cette porte? Oh putain, c'est jamais ouf. Ce genre de porte, c'est jamais ouf. Ok, donc on doit savoir ce qui se passe dans cette église, c'est ça? Il n'a pas l'air de se passer grand chose. On va se faire violer les mecs. Ah, ça va être terrible. Ok, on peut se cacher ici. Une petite lettre, on apprécie. Alors je sais pas si pendant qu'on photographie la lettre, ça use, enfin pendant qu'on lit la lettre, ça use de la batterie de caméra. J'en ai strictement aucune idée. Je peux passer par là. Et c'est un bug que nous avons là pour le joueur italien. Alors, il est vrai que j'ai appris à faire le moonwalk depuis déjà maintes années et je trouve que je le gère plutôt bien, ce moonwalk. Et je suis vraiment bloqué. Voilà, c'était un plaisir. Ok, bon, on va pas le refaire. On va pas le refaire, vous avez compris que ça mène à rien. D'accord, c'était juste pour récupérer une petite... D'accord. Juste pour récupérer une petite fiche, pas de souci. Bon. Écoutez, ce petit bug aurait pu être bien plus gênant que ça. Donc, faut sortir. On a cherché une église pour en sortir le plus vite possible, c'est ça? Ok. Par où on sort, là? D'habitude, on peut ouvrir toutes les fenêtres du monde, mais pas celle-ci. Moi, je pense encore que c'était en haut, hein. Malgré le bug, hein. Je pense quand même que c'était en haut, ouais. Donc, on va y retourner. On va y retourner. De ce pas. Ça peut être que là. Pourquoi c'est ouvert? Ça serait pas ouvert. Ben voilà. Ça a sauvegardé. C'est sérieux les dégâts que ça met gratuitement? Mais c'est chiant ce jeu. Tu bouffes trop de trucs gratuits tout le temps. Ça sert à quoi? Ok. N'oubliez pas qu'il prend son élan quand il doit courir. Attends, faut vraiment que je me soigne. Attendez, j'ai combien de bandages? Je suis sûr que je peux trouver un moyen de franchir la clôture. Il y a quelqu'un qui crie, qui chante. Trouver un moyen de franchir cette clôture, bien sûr. Comment je peux atteindre cet endroit? Mais comment je peux putain, atteindre cet endroit clôture. Je pourrais la grimper. Il me suffit de monter sur quelque chose. Ah, putain de clôture, c'était pas ma guerre. Eh ben, on va la monter, ta clôture, frérot, t'inquiète pas. On va monter sur ça. Hop, on a quelque chose, là, qu'est-ce que c'est? Hop, je prends. C'est quoi, ce bruit? Peut-être pas des trucs chelous, les gars. Ok, on va monter sur ça. Vous pouvez regarder derrière vous. Brille avec moi. Ah! Ça va, madame? Oh, elle est chiante, putain! Ok, on va devoir encore courir pour nos vies. Alors, là, c'est simple. Il y a la meuf qui fait ses trucs et qui donne des coups de couteau dès que tu t'approches trop d'elle. Je sais pas du tout par où aller. Vous savez quoi? YOLO. Putain de YOLO. On est revenu à la caisse départ. C'était par là, je crois. C'est une blague? Quoi? Putain, on est revenu à la caisse départ.
Sauf qu'on n'avait pas fait ce petit village, on était directement allé à gauche pour la chapelle. Putain, il y a l'autre qui me persécute encore là, putain. Vie de merde. La chapelle devrait pas être loin. La chapelle, mais... Oh, oh, oh. Il y a quelqu'un qui vient vers moi là. Elle m'a vu? Elle m'a vu ou pas? Oh, elle refait ses rituels. Putain, son but c'est de me bloquer! Oh là là, elle est terrible, elle est terrible! J'ai mis les sous-titres. Hein. Elle va me tuer. Ah! Il y a quelqu'un là-bas. Putain, c'est gigantesque. Je sais pas du tout où je vais. Il y a toujours ces bruits chelous là. Ok, je vais me faire arracher hein. Les gars, je vais flipper comme jamais. Quoi? Ah! Faut aller où? Faut aller où? Et merde! Jeu de merde! Putain, j'ai flippé comme jamais. Ok. J'ai quelque chose à faire là-dedans. Ah! Ok. Putain! Je suis où depuis tout à l'heure? Faut que j'aille là-haut, c'est quasi sûr. C'est terrible! Putain, faut que j'aille là-haut. Elle peut être que là-haut, l'archipel. La chapelle. Mettez où? Mettez où? Et elle est où? Putain, c'est quoi ce... Ah! Oh putain, je sais où, où faut aller. Oh, je sais où faut aller, c'est terrible. Je sais où faut aller, les gars. Oh putain. J'ai extrêmement peur. J'ai extrêmement peur. Wouah. Wouah putain, on l'a réussi à passer. Sauvegarde, s'il te plaît. Oh mais c'est terrible. Oh putain. C'est terrible. La pression de ouf que ça te colle. Voilà, elle est derrière. Normalement, on est un petit peu tranquille. Encore quelqu'un de mort. Enfin, encore un pendu. Ça, on va aller à l'école. Ah non, ça va. Ça va, c'est pas Jessica. Ok, on est à la chapelle bientôt. Quoi? Oh putain, non, j'ai cru que c'était un géant. Ok. Il y a une musique très bizarre. Hein. Il y a une musique très bizarre. Écoutez, je sais pas comment. Je sais pas trop
comment fonctionne Outlast, d'accord? C'est-à-dire que quand il y a des énigmes comme ça, c'est la première fois pour moi, le coup de la charrette, hein, par exemple. Et donc, grâce à mon intelligence incroyable, j'ai réussi à trouver assez facilement. Mais, en vrai, tu peux rester bloqué extrêmement longtemps pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas fait Outlast 1. Je pense. Il se passe des trucs chelous, là. Il n'y a rien à record. Ah, il y a quand même une petite chapelle à record, là. On la prend. Voilà, c'est dans la boîte. Ok, ça c'est fait. On va pouvoir rentrer dedans par la porte, évidemment, principale. Ok, je ne sais pas ouvrir une porte doucement. Hein. J'essaye à chaque fois. Et c'est un échec. Ok, on y est. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un au parloir? Attends, on peut se cacher dans le parloir? C'est hard votre truc. Quelqu'un souffre. Ok. Ah! Judas! D'accord! Les mecs qui vont pas trop loin dans le délire! Putain, ça. Ils vont tellement loin à chaque fois. Marie ? Nott ! Nott ! Qui est là ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Blake. L'étranger ! Le père ! Je suis le père de personne. J'ai juste... Tuez-moi ! Vous devez me tuer ! Ah ! Nott revient. Avec Marie ! Il lui fera du mal et je dirai tout. Si vous me tuez, il n'aura aucune raison de lui faire du mal. Je vous en prie. Quoi? Comment je te tue? Sachant que je peux tuer littéralement personne. Il arrive, hein. Nous l'avons trouvée, Josia. Elle essayait de s'enfuir parmi les galeux. Ce ne sont pas là les actions d'une femme à la conscience immaculée. Marie! Oh mon Dieu! Réponds à ton compagnon, ma chère. Il ne te voit pas. Faites-la répondre. C'est moi, Josia! S'il te plaît, dis-leur que je n'ai pas... Dieu est la vanité. Moi aussi, la femme étrangère cache la destruction de ce monde en son ventre. Mais Val et ses apostats ont volé l'ennemi à naître. Le père du démon s'est échappé. Son immonde récolte sera moissonnée avant l'aube. Nous disposons seulement de quelques heures pour la retrouver et la tuer, et ainsi sauver ce paradis de l'enfer éternel. Où est-elle? Où va la-t-il emmener? Je ne peux pas! Je ne peux pas! C'est pour toi, Josia! Fais-tu-la crier! Non! 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 Où est la femme? Le ventre qui abrite l'antéchrist? Non! 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 Force de l'once rebelle! Je n'ai aucune peur! Force de l'once rebelle! Je n'ai aucune peur! Force! Ennemi de mon ennemi! Ennemi de mon ennemi! Ça va craquer! Dites à Josia d'arrêter! Dieu n'entend pas les putains pécheresses! Ça a craqué! Où est la femme? Où va la tienne? Arrêtez! Parler. Non, non, mon Dieu. Je suis désolé, Barry. Je suis désolé. Où est la femme? Les mines. Dans la montagne. Va l'emmener dans les mines. Vous ne la trouverez jamais. Qu'il te pardonne. Avant la naissance. Nous sommes les mains du Seigneur. Nous ne pouvons pas échouer. Ce monde meurt en criant. Merci, je... Son Dieu dans toute son arrogance.
Laissez-la. Ah! Boobs! Ah bah sacré repos! Ça a craqué, hein. On est d'accord, ça a bien craqué. Tiens, on va enregistrer pour le best-of. Et les gars, c'est pour la science, hein, c'est pour les archives, vous en faites pas. Ok. Et lui, peut-être, non? D'accord. Madame, vous allez bien? Vous allez bien, madame? Elle va pas bien, hein? Ça doit faire extrêmement mal. Hein. C'est écrit dans ses yeux, là, les gars. Hop, hein, on peut le voir. Ok. C'est bien dégueulasse. Évidemment, si vous êtes sensible... Âme sensible, s'abstenir. C'est pas par ici. Putain, le mec, il a quand même du courage d'essayer d'ouvrir une porte où il y a deux mecs qui sont rentrés là-dedans auparavant. C'est chiant de pas pouvoir... Je le vois. Il était dans la chapelle. C'est chiant de pas pouvoir ramasser une arme. Il était dans la chapelle. Je fais quoi? Je vais tout droit? Je cours! Je me raccroche à la vie! J'ai trop de balles qui fait du bruit! Ces choses! Non! J'ai foiré la touche! Adieu! Oh là là! Je me fais cabale! Le château d'eau! Je me fais poursuivre! Je sais pas où je vais! Mais j'y vais! L'étranger est là-bas! Je prends ma mère! Bon? On se soigne? Bon, j'ai encore pris un coup, ça fait plaisir! Tout est tellement gratuit dans ce jeu! Torture gratuite, violence gratuite, coup de machette gratuite aussi, hein, bien évidemment. Un peu de porno, mais bon, c'est jamais gratuit. Ça faisait partie de l'achat du jeu, apparemment. Ok. On va rentrer dans cette maison parce que je pense qu'il y a un soin, étant donné que on en a pas trouvé depuis pas mal de temps, et que je me suis quand même fait gangbang volume 5. Madame ? On va peut-être pas la déranger, hein. Attendez, ils sont morts, les gamins. C'est dégueulasse. D'accord. C'est dégueulasse. Ok, on peut pas... On est obligé de passer par là? Quel est ce fleuve? La tête des cavaliers, ouais. Blanc et rouge, noir et pâle, aucun okay. Enfant. Elle a l'air totalement shrap. Et à l'arrière ! Hé ! Il vient vers toi ! Quoi ? Je suis caché ! C'est pas vrai! Comment il m'a vu? On était dans le noir! Putain, mais cette violence! Je me casse. Ah d'accord, on est de retour dans les champs, c'est un véritable plaisir. Et où sont les mines? J'aimerais savoir. Il est juste derrière toi. Il faut l'attraper. Je vais prendre ma vie.
Je vais prendre les gars. Putain, hé, les épis de maïs, ils sont encore plus violents que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, putain. Ok, je vais vers le soleil. Quelqu'un là-haut. Que je peins sur eux. Lui, ce petit bâtard. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas où je suis, je sais pas. Partout. J'ai rien. Ok. Je crois que c'est bon. Ça sauvegarde. Je crois qu'on s'approche des mines. Ok, c'est par ici. C'est par ici, aucun putain de problème. On se rapproche calmement des mines. Impeccable. Bon. J'ai le bras en sang, hein. Je suis pas bien les gars, je commence à avoir le vertige. On va fermer ça. J'aimerais qu'on fasse un petit résumé quand même de mon inventaire. Le chemin qui mène à la mine est quelque part par ici. Putain, un bandage de pile, c'est sérieux les gars? Un bandage de pile. Il doit y avoir un moyen d'arrêter la roue. D'accord. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Encore une fois, les gars, je sais pas si je vais terminer le jeu, hein, vraiment. Ça commence déjà à me saouler. D'être sans défense, c'est... Peut-être le 1, c'était cool, mais là, c'est chiant. On va passer par où? Ça, on va pas le prendre, ça sert à rien. On peut passer par ici... J'essaye de voir, je retire la caméra pour déjà économiser la batterie parce que là, c'est les piles les moins efficaces du monde. Le levier manquant. D'accord. Ouais, du moins, c'est sûr. Mais aussi, quand il n'y a pas les caméras, on voit en surbrillance tout ce qui est bandage et piles. C'est plutôt cool. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. Là, on s'est bien fait niquer. Ça fait tellement longtemps qu'ils m'ont pas fourni de... deux piles, etc. Ok, bon. Okay. Ah. Je prends. Ok, ma manette fait que trembler, je ne sais pas pour quelle raison. Je vais me cacher directement. Je vais me cacher directement, il n'y a personne, je ressors. Ah bah c'est une technique comme une autre. Ok. Ok, on peut sortir. Quoi ce bruit? Adieu. Je comprends pas. Ça devrait faire l'affaire. Je comprends pas, il y a quelque chose qui a fait un bruit là. Il y a quoi qui devrait faire l'affaire, frère? Mec,
putain, non. Mec, pourquoi tu prends ta vie tout le temps? J'étais obligé, j'avais pas le choix, il était dans l'escalier. Mais qu'est-ce que je suis censé faire, my god? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ok. You. Putain, j'arrive même pas à entendre hier. D'accord, je comprends pas. Je vais me soigner, forcément, forcément. Étant donné que j'ai fait une chute de 2 mètres et que je me suis brisé 4 chevilles. Putain, y a Pépito qui est en train de chuchoter des trucs, qui commence déjà à me casser les couilles aussi, lui. Je vais y aller comme papa dans maman là-dedans. Comment je suis censé monter? D'accord. Oh putain, la logique voulait que je monte. Comme ça. Je suis censé monter. Y a pas une charrette, une connerie? J'ai arrêté la roue, mais je suis censé passer par là. Attendez, attendez. Monte! Ah non, il est con comme un manche, forcément. Allô? Putain, il y en a un autre. Ils veulent pas partir, hein, c'est terrible. Ils veulent pas partir, c'est terrible. Et si je monte là, là? Ah, ah. Bon, allez, je suis mort. Ok, bon. Une fois que t'as activé le truc, je sais pas du tout par où il faut passer. Est-ce qu'il faut rester là? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut... On est reparti! Oh là là, c'est terrible, hein, c'est terrible. Hein. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais, j'ai pas compris. On va analyser maintenant parce que là, je comprends vraiment pas. Ah, d'accord! C'est pour ça qu'il fallait l'arrêter! L'eau n'avait rien à voir dedans! Mais pourquoi tu veux passer par là à chaque fois? T'es relou! Ok. Allez, c'est parti. On bombarde. Et 3. Allez! Oh là là, putain. Pire gameplay ever, hein, réellement. Ce jeu a été tellement fait avec un trou de balle. C'est un trou de balle qu'a codé. Mais pourquoi tu tombes par là? Putain d'effort, mec. You? Y'a plus personne? Allô, Bobby? Je suis cuit? Je suis cuit ou pas? Qui se casse.
S'il veut bien, évidemment. Ok, c'est bon. Quoi ? On est où là ? On est assez loin. Je n'irai pas là-bas. Pour toutes les chattes de Sion. C'est la terre de ma vie. Mais... Putain, mais elle est partout! Oh là là! Elle est terrible cette demoiselle! Cette jeune femme! Bon bah c'est bon, tu vois, une bonne fois pour toutes, ça va aussi, putain! Je passe plus de temps à mourir de diverses manières différentes qu'à rester en vie! C'est terrible! Faut que je passe derrière, hein, vous l'aurez compris. Elle va pas venir sur moi là quand même. Donc pour consoler l'amour alors qu'il s'ouvre. C'est l'air proche. Il y a Menu sur le maître qui s'ouvre. Oh, Satan. Pour un petit de mon monde de misère. Toi, qui meuse ta mère. Elle arrive. Au complice de Sultien. En toi le plus puissant des saints, je rappelle. Oh, c'est un abuliron. Au bord des refuges. Oh, Satan. Elle veut exactement sur moi. Mais gros! Quitte ta caméra, Apollos! Eh, ça m'énerve. Il m'énerve, ce jeu! Vous savez, c'est quoi qui m'a bloqué? C'est le cadavre de la vache, les gars, sérieux! Dans n'importe quel jeu, il passe dessus automatiquement, t'es pas obligé. Oh là là, mais il m'énerve, ce jeu! Quel jeu de merde! Ok. On est reparti. Allez. Le chemin qui mène à la mine est quelque part par ici. Bon. On va activer le micro. Elle m'énerve tellement, elle. Ok, je cours. Oh là là, mais c'est automatiquement où on est. Ah putain, c'est par là. Le son de tes morts, hein. Ok. Je me cache dans le sang, qui va faire quoi? Je ressors. Parce que c'est dégueulasse. Ok. Putain, c'est terrible, hein. C'est terrible ce jeu, hein. Réellement, hein. D'accord, ok. Hein? Enregistré. Ah! Ah, il a plus de tête! Ils sont en slip! Ok. C'est fait. J'espère que vous prenez vraiment tous du plaisir dans ce petit abattoir familial. En fait, le réellement. Vous allez me dire, je vous vois arriver à 10 km. Ouais, mais c'est Outlast, c'est le principe du jeu. Ok, je veux bien. Outlast 1, d'accord, c'était sympa et tout. Mais au bout du 2, du 3 ou autre, faut quand même trouver un moyen de se défendre. Même si c'est le but du jeu, les gars, je dis rien. On peut rien faire, on ne peut rien faire. En fait, c'est un jeu d'impuissant, tu vois. T'es là, t'es impuissant. Ah bah, si t'aimes bien prendre ton pied, c'est cool. Mais ça reste un jeu d'impuissant quand même.
Et il faut que je fasse quoi là Ok. Oh là là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Je vais me faire gangbang volume 3 si j'avance. Il y avait la porte qui avait bougé, hein. Ok. Il y a rien. Une réponse est ignoble, semence. Oh là là, mais quelle est lourde. Donc si on la voit là, je suppose que je dois retourner là-dedans, c'est ça? Ok, peut-être par là, Romar. La mine. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Ah non. D'accord, super impeccable. Donc c'est par ici, mais je dois retourner en arrière. Incroyable, mais vrai. Regardez comme ce joueur n'arrive pas à s'en sortir. La vache, oh là là. Putain, c'est pas vrai. Celui qui est m'a envoyé vers vous. Ok. Et comment on est censé faire pour qu'elle se passe? Faut vraiment faire gaffe à cette vache. Un baiser. Pourquoi tu fais des glissades comme ça? Oh putain. Incroyable mais vrai. Cet homme trouve tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Le fera, Seigneur, même s'il doit en mourir. Ah, les batteries dans le jeu. Ok. Je sais pas où je vais là. Je suis où là? Ah, c'est ça? Quoi faire? Dieu, donne-moi ta voix. Dieu, dis-moi. Quoi? Dieu, donne-moi ta voix. Dieu, dis-moi. Quoi? Jure. Je suis mort. De merde. Vie de merde. Quoi? Tu cours plus vite que tout le monde, toi. Ah!
bah ouais, fait continuité. Oh là là, j'aurais dû faire vite avec la chaîne. Ah, je savais pas, putain, j'avais pas vu la chaîne. C'est chiant. Cet épisode est chiant, on fait que de crever les mecs, j'ai envie de chialer, putain. Quoi ? Allez. Allez. Quoi ? Allez, casse-toi ! Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'est bon, stop. Stop, les gars, j'ai pris ma putain de vie. Okay. Non, on continue pas tout de suite. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Cette vidéo était littéralement incroyable, n'est-ce pas? Je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures sur Outlast. Le prochain sera peut-être le dernier épisode. Tout simplement parce que c'est terrible. Je n'y arrive pas sur ce jeu hyper frustrant. Sauf si vraiment vous voulez que je continue, mais c'est chaud. C'est très très chaud. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.